Explorateur des océans, c'est parti! Sous les vagues, l'aventure nous attend! Explorateur des océans, c'est parti! Sous les vagues, l'aventure nous attend! Dans les vagues, sous le soleil, ou au milieu du récif, au fond de l'océan. Quand on joue et quand on apprend avec ses amis, on découvre des connaissances infinies. Explorateur des océans! Explorateur des océans! Explorateur des océans! C'est parti! Oh! Bonjour, explorateur de l'océan! Nous sommes en route pour visiter des piscines d'eau de mer. Tu veux explorer avec nous? Parfait! Mes amis explorateurs, comment allez-vous? Venez avec nous et apprenez de nouvelles choses! Bienvenue à la piscine d'eau de mer! Je vois l'océan et je vois la plage et je vois cette grande flaque. Mais je ne vois pas de piscine, Cal. C'est parce que ce n'est pas une vraie piscine, c'est une mare d'eau de mer. Et cette flaque pleine de rochers, c'est la mare d'eau de mer, Tinker. Vraiment? Vraiment! Des mares comme celle-ci, on en trouve tout le long du littoral de l'océan. Le littoral? Le littoral est l'endroit où le sable rencontre l'eau. De nombreux animaux étonnants vivent dans les eaux peu profondes des mares d'eau de mer. Qu'est-ce qui arrive à Dean? Ah, je crois qu'il est excité. Bien sûr que je le suis. Regarde les étoiles de mer. Elles vivent dans la mer, mais elles ne ressemblent pas du tout aux autres poissons. Elles ressemblent à des étoiles. Dean a raison. Elles vivent avec les poissons, mais ce ne sont pas vraiment des poissons. Et regarde, elles ne nagent pas non plus comme des poissons. Elles se collent aux rochers avec tous leurs bras pointus. C'est vrai qu'elles ont beaucoup de bras. Combien est-ce que tu en vois, Tinker? 4. Et si on essayait de les compter ensemble? Tu veux essayer de les compter avec nous? Génial! On va compter les bras de l'étoile de mer ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. L'étoile de mer a 5 bras pointus. Hé! Quel est cet autre animal collé sur les rochers? Oh! Oh! Je sais! Je sais! Ce sont quelque chose comme ça. En fait, je suis plus très sûr. Tu y es presque, Dean! Qui peut aider Dean à dire le nom de cet animal? Je peux! Cet animal a un nom rigolo. Anémone. 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 Hey, j'y arrive. Excellente prononciation, Dean. Wow, leur corps est tout lisse. Et les étoiles de mer? Est-ce que tu penses qu'elles sont lisses ou rugueuses? Je ne sais pas. Elles ont de petites bosses partout sur le corps. Je ne pense pas qu'elles soient lisses. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu veux... Regardez de plus près. Lorsque tu te sens curieux et que tu veux savoir, regarde de plus près et ton esprit grandira. Wow! Regarde, une étoile de mer! Maintenant qu'on les a vues de plus près, ces étoiles de mer n'ont pas vraiment l'air d'être très lisses. Tu as raison. On dirait que les étoiles de mer sont rugueuses. Mais il n'y a qu'une seule façon d'en être sûr. Comment, Cal? Il faut les toucher, mais avec douceur. Car les étoiles de mer sont des êtres vivants, tout comme toi et moi. Wow! Elle est lisse et molle. C'est surprenant! Je pensais que l'étoile de mer serait dure et rugueuse comme ma carapace. Waouh! Ça, c'est une carapace dure. Regardez-moi ces petits gars. Ce sont des crabes, Dean. Et tu as tout à fait raison. La carapace de ces crabes est dure. Regardez ça. Les crabes marchent sur le côté. Je vais essayer de marcher comme un crabe.
Moi aussi. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu veux marcher comme un crabe? On va marcher comme des crabes. Marche en crabe, marche en crabe, tu marches sur le côté. Marche en crabe, tu vas de gauche à droite. Marche en crabe, il faut marcher plus vite. Marche en crabe, marcher sur le côté, c'est génial. Marche en crabe, C'était très amusant. Nous avons appris que les étoiles de mer ont 5 bras. Nous avons aussi appris que les étoiles de mer sont lisses et douces, tout comme les anémones, alors que les crabes ont une carapace dure. Comme moi! C'est vrai! Hé! Après avoir exploré et découvert de nouveaux animaux dans les mares d'eau de mer, vous savez ce qui rendrait la journée encore plus parfaite? Danser! Quelle journée! Quelle journée! On s'est bien amusé. On a exploré les océans avec nos amis. Tout au fond de l'eau ou le long des côtes, il y a tant à apprendre et à explorer. On est tellement heureux que tu aies joué avec nous, Tinkercoll, Dean, Neptune et Opus. Quelle journée, quelle journée! On s'est bien amusé. On a exploré les océans avec nos amis. À la prochaine! Et en attendant, continue d'explorer!